Bien, bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va faire la récolte automnale. Allez, c'est parti! Bien, donc je vais vous expliquer donc la récolte. Donc comment savoir tout simplement que c'est mûr, que la récolte est prête. C'est tout simplement que le feuillage là commence justement à se décomposer, qu'il n'y a quasiment plus là-bas au niveau du potimarron, plus de feuillage du tout. Hein. Là, tout est en train de dessécher, de faner tout simplement. Donc ça prouve donc bien la maturité donc des courges. Donc c'est à ce moment-là voilà, que c'est prêt à récolter. Bon là on est sommes début octobre normalement, donc c'est fin octobre, mais bon vu avec la sécheresse qu'il y a eu cet été, donc il y a eu un peu d'avance, hein, bon à cause de la sécheresse, c'est pas dramatique, mais bon on fait avec. Bon alors on va premier temps commencer à ramasser les courges à pommes d'or qui sont juste ici, les butternuts, et comme vous voyez au fond là-bas les petits marrons. Bon on peut déjà voir que les courges d'or c'est assez petit, hein, bon ça c'est le phénomène de l'année. C'est très petit vu de la sécheresse tout simplement, donc on va récolter tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc récolte terminée. Donc comme vous pouvez le voir dans le timelapse, donc j'ai laissé le pédoncule ici, donc c'est très important de le laisser, pareil pour là et là-bas. Sinon si vous coupez extrêmement court, ça risque de faire de la pourriture. Donc, et aussi de bien enlever la terre sur toutes les couches. Bon c'est un peu humide, c'est laissé au soleil pour que ça sèche, voilà, pour que ça s'enlève assez facilement. Voilà. Et pour aussi la conservation, mettez-les dans une pièce vraiment pas de lumière. Entre 0 et 5 degrés, voilà, c'est vraiment le optimal pour conserver le plus longtemps les légumes. Voilà, voilà, donc récolte terminée donc pour l'année 2022. Donc je vous fais un bilan d'ici quelques semaines pour vous dire un peu ce qui était en est du potager 2022 avec des tomates et comme vous pouvez voir la récolte automnale. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit j'aime, à commenter, à vous abonner et surtout à partager autour de vous, c'est très important. Alors quant à moi, je vous dis à la prochaine, allez, ciao !